Il n'est pas encore exactement tout à fait euh, 10, mais je pense qu'on va, on va commencer. Commencer, ça veut dire d'abord pour moi vous remercier d'être venus nombreux, d'avoir répondu à l'appel de, de l'histoire avec ce titre court et accrocheur. Vous êtes là. À quoi sert l'histoire Mais euh, ce titre recouvre des d'autres choses encore. Elle, ça, je vous parlerai de la recherche en sciences humaines, de la nécessité de faire de la recherche en sciences humaines et plutôt et des réalités pratiques de la recherche en sciences humaines. Je vous parlerai du métier d'historien et puis je vous parlerai à la fin de à quoi sert l'histoire avec un angle qui est forcément personnel. Je ne suis pas le premier à m'exprimer euh, à ce sujet, mais vous verrez euh, ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Alors, il faut, et c'est la définition aussi du métier historique, il faut se situer euh, soi-même. Je suis un archéologue, historien d'art. Je ne suis pas un historien, mais je fais de l'histoire depuis... Enfin, j'ai le sentiment de faire de l'histoire depuis euh, 30 ans maintenant, euh, à la fois à la Bibliothèque Royale, où j'ai longtemps euh, dirigé les, les, les patrimoines, les départements euh, précieux, à la fois, et depuis presque 20 ans maintenant, à l'École pratique des hautes études, euh, où je suis un spécialiste d'histoire monétaire et financière du monde grec, et puis euh, depuis une petite dizaine d'années maintenant aussi à l'Université libre de Bruxelles. Comme vous voyez, je suis un spécialiste d'économie antique et de l'histoire monétaire. Et qu'est-ce qui m'amène à euh, être devant vous ce soir et avoir à, euh, à tenir un propos aussi général, puisque d'habitude mes plates blondes sont quand même beaucoup, beaucoup plus restreintes. Eh bien, je dirais deux choses. D'abord, une première couche, si vous voulez, de, de lecture intense, qui sont comme tant d'autres, euh, d'avoir avalé, ingurgité, lu avec passion tout ce qui se publiait à l'époque, c'est-à-dire, dire à la fin, dans les années 70 et 80, en commençant par euh, Paul Veyne, un livre Comment on écrit l'histoire. Et puis, bien sûr, euh, euh, le livre qui l'a pré précédé, Henri-René Marrou de la connaissance historique, dont Paul Veyne euh, auquel Paul Veyne se réfère beaucoup. Et puis, vous voyez tant d'autres, euh, François Furet, euh, Léon Alquin, Faire de l'histoire avec Jacques Le Goff et Pierre Nora. Un, une contribution belge et plus ancienne, Paul Arsin de, de Liège. Et puis aussi des écrits en provenance non pas d'historiens de métier, mais de philosophes. Paul Ricoeur ou Raymond Aron, introduction à la philosophie euh, de l'histoire. Ça, c'est une première, c'est un substrat, si vous voulez. Et puis j'ai dit j'ai une pratique. Je veux croire être d'historien entre-temps. Euh, Et plus récemment, euh, j'ai eu l'occasion de, de participer, de faire partie de, 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 de comités qui, au niveau national ou au niveau européen se penche justement sur les sciences humaines de façon plus large ou peut-être sur, de façon plus restreinte, ça peut être au FNRS, des commissions d'histoire et archéologie d'histoire de l'art. Et en particulier, depuis quelques années, euh, je suis un des 15 membres de la, du, du comité pour les sciences humaines de Science Europe. Alors Science Europe, Science Europe, ça ne vous dira pas forcément quelque chose. C'est une institution qui est destinée à remplacer l'European Science Foundation, qui n'a pas en elle-même beaucoup de, de budget, de moyens, mais qui tâche d'influer sur les, les politiques, euh, les, les décisions prises au sein de la recherche européenne et qui est qui est en fait la concentration des, de toutes les agences scientifiques nationales. Ça fait quand même si vous mettez les uns derrière les autres le budget de, du CNRS, de, euh, du Concilio, du Conseco pour les recherches en Italie, en Espagne et ailleurs, ça fait quand même 30 milliards euh, d'euros euh, dépensés. Et de ces finalement de ces deux de, cette, euh, de cet ensemble de lectures fait plus jeunes et de cette, euh, de cette participation à des comités d'experts, Il m'a semblé, il me semble quil euh, y a comme un vide, euh, enfin il y a comme une, un espace qui n'est pas euh, où les, on, ne trouve, on trouve peu de voix pour s'exprimer puisque d'un côté vous avez des, des écrits qui sont très généraux et qui font appel à, aux principes généraux comme l'esprit critique. Euh, tout le monde en conviendra, mais le politique se demande bien ce qu'il va pouvoir faire avec cela. Et de l'autre côté, vous avez des comités d'experts aux agendas très pratiques et techniques, comme Horizon 2020, euh, où le but est de faire la différence et d'essayer de faire en sorte que les sciences humaines soient mieux euh, prises en compte par les, euh, et, et simplement qu'elles aient accès à des budgets plus importants. Et, mais pas grand-chose entre les deux, puisque les comités d'experts euh, <laughs> ne, ne sont pas là pour avoir une réflexion sur la recherche, sur la manière dont on fait les choses, et, et, et répondre in fine à la question très générale de cette conférence, à quoi sert l'histoire Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est euh, resituer la place telle que l'histoire, précisément, telle qu'elle a été, la place de l'histoire et des sciences humaines au sein des, des sciences. Et euh, je vais avec vous parcourir à grandes enjambées le panorama de ce classement des sciences. Vous savez que euh, c'est Porphyre de Tyr, l'arbre de décision de Porphyre de Tyr qui organise euh, la connaissance d'Aristotélicienne, euh, mais qui va au XVIIIe siècle. Et c'est vraiment les lumières du XVIIIe siècle et puis le positivisme du XIXe siècle qui vont se plaire à organiser les sciences sous des formes arborescentes. Le, euh, le premier, ou le, celui en tous les cas qui... Auquel se réfèrent Kant et Hegel, c'est Christian Wolff, euh, qui, dans sa euh, philosophie, Philosophia prima siveontologia omnis cognitionis, vous voyez, que fait-il Eh bien, il divise, il place de façon, c'est le premier à le faire, à placer le plus pur, les mathématiques, euh, à un, dans une partie du tableau, ici en bas, et l'histoire à son opposé, euh, tout en haut. Hegel, Hegel, bien sûr, euh, mais nous sommes maintenant au 19e siècle, va proposer un système, mais c'est un système qui, est, qui ne classe pas, qui ne, fait pas euh, une, qui ne donne pas une préférence à ce qui serait expérimental sur ce qui n'est pas expérimental. Lui, Hegel euh, procède évidemment avec euh, sa, une, une forme euh, de, de compréhension ternaire et, 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 et à trois, euh, vous voyez, à, à division euh, ternaire, et où vous, 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 on distingue euh, la... Euh, la philosophie de l'esprit, geis philosophie, la philosophie de la nature, nature philosophie, et la logique. Il faut, faut trouver ici l'anthropologie, la, la phénoménologie, la psychologie ils ne parle pas réellement d'histoire. André Marie Ampère, qui est un chimiste, euh, dans son essai sur la philosophie des sciences, ou l'exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les sciences humaines, va lui plus classer puisqu'il classe les sciences euh, cosmologiques en haut, les sciences euh, noologiques, celles de l'esprit, en bas. Et vous voyez que vous avez l'arithmologie, les mathématiques, tout en haut, ce qui a de plus pur. Et vous avez le, plus, le, le moins pur de tous, la case 32, c'est la politique. Euh, L'histoire étant euh, ici, vous voyez, avec euh, la hiérologie, l'archéologie et, et l'ethnologie. Mais c'est vraiment, vraiment Auguste Comte qui, au 19e siècle, va proclamer l'acte d'exclusion des sciences humaines de cet arbre en considérant que ne sont sciences, dans sa théorie des trois États, les sciences qui peuvent être théologiques, métaphysiques et puis positives, mais il ne s'intéresse qu'aux sciences dites positives, et il ne considère comme scientifique que ce qui peut faire l'objet d'une expérimentation, et donc condamne les sciences humaines et sociales à sortir du champ de ces, ces classifications. Et ces sciences humaines et sociales vont s'en trou trouver très malheureuses et vont en avoir de cesse que d'essayer <laughs> de réintégrer ce paradis perdu, euh, si vous voulez. Alors, les Anglais... Euh, plusieurs, euh, euh, nous sommes toujours dans le 19e siècle, et c'est vraiment une démarche assez caractéristique du positivisme du 19e siècle, William Well, Herbert Spencer, mieux connu, mais dans un écrit qui n'est pas important pour lui, vont euh, eux-mêmes procéder à des classifications, toujours avec cette, euh, cet arbre de, de porphyre, et vous voyez que les sciences humaines ont disparu, euh, vous avez les sciences paléontologiques, qui sont ici et qui comprennent tout ce qui n'est pas euh, reproductible. Et vous avez euh, pour euh, Herbert Spencer astronomy, géologie, biologie, Psy psychologie, sociologie, etc. Il faut comprendre que l'histoire est dans le etc. Aujourd'hui, on ne pense plus du tout comme ça. Plus personne ne s'aventurait à donner une vision aussi figée des disciplines scientifiques. En réalité, très très peu s'aventurent à modéliser le panorama des sciences. Mais quand ils le font, ils le font en général avec une référence explicite à la théorie des ensembles. Et vous avez à l'écran Georg Cantor, euh, qui est son père fondateur. Et vous avez, c'est un petit peu joué, mais vous voyez ici un euh, une position d'histoire qui est reprise dans les sciences humaines, là vous avez l'économie, le droit, la sociologie, euh, business, anthropology, ce sont les sciences sociales, et puis euh, un, un espace commun pour le droit, la géographie, etc. C'est extrêmement subjectif, vous pouvez contester ça. Euh, mieux encore, parce que les sciences sont euh, migrantes, il y a des sciences, il y a des disciplines qui ont migré considérablement. Je suis, je l'ai dit, archéologue. L'archéologie est une discipline qui a considérablement migré et qui est passée des sciences humaines, vraiment aux sciences du labo aujourd'hui. Il euh, y a tout point de vue. Ça veut dire aussi la manière de publier. Euh, une étude archéologique est forcément euh, en anglais, avec huit contributeurs, six labos qui y sont euh, mêlés. Euh, là aussi, dans la, la pratique, les choses ont changé. Mais vous voyez. Un tableau qui reprend quoi Qui reprend les sciences humaines, qui reprend les sciences sociales, les sciences mixtes si vous, si vous voulez, les creative arts and design, mais même les STEM. Les STEM, vous savez que la, ce sont les sciences, technologies, engineering et mathematics. C'est une grosse erreur de la part de ce graphique. Et l'archéologie, comme je viens de vous l'indiquer, se trouve à l'intersection des STEM également. L'histoire ne peut pas reproduire les faits, c'est même la discipline qui en a, qui, euh, forcément, ontologiquement, euh, en est la plus interdite, euh, et faut-il pleurer. Alors, j'aime beaucoup la, euh, évidemment, la question de savoir si vous définissez une science d'après la, la robustesse des résultats l'épistémé, si vous voulez, ou d'après l'ensemble des techniques mises en œuvre pour parvenir à tenir un discours, c'est la, la techné. Euh, Claude Lévi-Strauss, on cite peu euh, cela, mais Claude Lévi-Strauss, dans une interview, alors qu'il était euh, euh, assez âgé, donc dans une position extrêmement dominante s'agissant des sciences sociales, a donné une interview au, au Monde où il explique que, en réalité, les sciences sociales ne sont pas des sciences. Et la plupart des, des, des adeptes pratiquants des sciences sociales s'en sont émus de voir leur chef de file dire Mais on n'est pas des sciences. Et on dit Mais enfin, comment vous pouvez dire ça Mais Claude de était c'était beaucoup plus pervers. Euh, vous voyez, euh, pour les sciences naturelles totalitaires par essence, il existe, soutient-il, une vérité à dévoiler, ce à quoi s'emploient physiciens et chimistes qui peuvent avoir le sentiment de sans cesse se rapprocher du but. Tel, poursuit-il, n'est en revanche pas le privilège des sciences humaines et sociales, dont la complexité du réel excède toujours celle des outils mis en œuvre pour découvrir le réel. Je le cite, plus le savoir progresse, plus il comprend pourquoi il ne peut aboutir. Autrement dit, à chaque fois que nous complexifions nos moyens d'interrogation, d'autres interrogations plus fines se présentent, ce qui disqualifierait notre ambition scientifique en faisant toujours reculer l'accès au Graal à la chose en soi. Et vous voyez, en fait, Qu'est-ce que dit Claude Lévi-Strauss entre les lignes C'est que les sciences sociales, c'est beaucoup trop compliqué pour pouvoir être des sciences. Ne peut avoir le qualificatif de science que des choses, qu'un réel qui se laisse modéliser plus simplement. Un, un mot, quelques mots sur les sciences de la, la nature et, et du vivant, pour mieux les opposer à, aux sciences sociales et aux humaines, parce que je pense fermement que le paradigme de compréhension est euh, non seulement différent, mais presque inversé. Et aujourd'hui, les sciences de la nature et du vivant euh, ont un, sont engagées, parce qu'il y a une pression médiatique, il y a une pression médiatique, il y a une pression financière pour avoir des budgets euh, et, et, et donc être, avoir une lumière médiatique, sont engagés dans une forme de syndrome Eureka où tout le monde trouve des choses fantastiques, c'est la seule manière d'exister, c'est une, une, si une déclinaison du publish or perish. Uh, Isaac Asimov ayant dit, the most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not Eureka, Eureka, but that's funny. Uh, et on est vraiment dans ce para dans dans, cette, uh, dans ce monde d'une science qui toujours trouve uh, des choses uh, tr trouve des résultats uh, qui sont uh, uh, qui sont alors uh, uh, dont il est rendu compte d'une forme extrêmement positive et, et optimiste. Nous savons bien que la plupart des sciences, à part la logique, les mathématiques, euh, sont elles-mêmes dans, dans une difficulté de reproduction du, des, des résultats. Et ici, vous avez euh, les, ceux qui ont contesté, c'est déjà un petit peu ancien, aujourd'hui, on ne se réfère plus tellement à Thomas Kuhn, à euh, Imre Lakatos, euh, Alan Chalmers ou Feier, Paul Feyerabend. Rusco c'est un pardon, un, un, un anarchiste euh, qui ont expliqué, ont montré que il y a une histoire dans, il euh, la philosophie des sciences peut montrer que il y a des, des structures dans la de la découverte Thomas Kuhn euh, et le, la, la science du labo est elle-même formatée dans les, les conditions de la recherche et puis plus et encore plus honnies euh, des scientifiques de labo, ce sont les sociologues des sciences. Euh, J'ai mis à l'écran trois, les, les couvertures de trois livres de Bruno Latour. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Euh, en France, on se désole un peu de ne plus avoir d'intellectuels. Euh, je parlerai des grands intellectuels français de, de la génération passée dans un instant il faut savoir que dans les gares à, en allemagne en angleterre aux états unis vous trouverez les livres les traductions anglaises de bruno latour qui, a, euh, qui est le spécialiste de l'étude de, enfin, de la manière dont la, les, la, la science du laboratoire euh, est réalisée et de tout évidemment de tous les, les paramètres euh, qui interviennent sur le résultat final et qui la rendent moins, moins pure. Mais évidemment, ni le Big Bang, ni la tectonique des plaques, ni les crises économiques, ni l'étude du climat ne sont reproductibles. On dit des choses euh, claires. Ceux-ci sont des critiques venant de l'extérieur et euh, qui n'ont pas beaucoup ému les praticiens du labo. Euh, plus un, plus, plus, beaucoup plus dommageable, c'est ce qui se passe dans les labos réellement euh, aujourd'hui. Le vie economist avait, ça date un peu, c'est octobre 2013, il y a deux ans maintenant, consacré un, tout un dossier à ce sujet. Le problème est que là où il y a. Euh, encore 30 ans, les revues scientifiques, à commencer par les toutes grandes, par Lancet, Nature, Science, publiaient des résultats négatifs. Aujourd'hui, la proportion de résultats négatifs publiés est euh, tombée à pas grand chose, à presque rien, euh, ce qui n'est pas très sain. Euh, et. Et surtout, on a un très grand problème à pouvoir ceux qui essayent, mais peu le font, essayer de reproduire les expériences, le protocole utilisé par des, des études qui sont extrêmement, euh, qui sont reconnues et très utilisées dans différents secteurs. On arrive à des résultats qui sont très décevants. On avait ici expliqué que euh, les, dans la recherche contre pour le cancer, une équipe qui a essayé et qui a travaillé en accord avec les équipes Originels euh, de ces recherches sont arrivés à reproduire des résultats dans 6 cas sur 53, c'est quand même pas beaucoup. Euh, et s'agissant du monde de la pharmaceutique euh, Bayer, on, on a une étude ici qui n'est parvenue aussi à un résultat décevant de seulement un quart des, euh, de reproduction sur les 67, euh, les 67 résultats euh, indiqués que, et, 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 et suivis par les chercheurs euh, à ce moment-là. Donc, a euh, évidemment, c'est ce que vous savez, hein. dès que vous travaillez avec un, un, un intervalle de confiance et que vous avez des échantillons statistiques, il y a le false négatif, le false positif. Donc c'est d'interpréter, euh, de prendre pour bon ce qui est faux, ou de prendre pour faux ce qui est bon. Et, et ça, ça contamine fortement le résultat des expériences, de, le, la, la, euh, je veux dire la, euh, la confiance que l'on peut avoir dans les résultats exprimés. Mais surtout, et c'est là où je veux en venir, il y a une différence de paradigme. Paradigme est un mot qui est utilisé et beaucoup et sans doute dont on abuse beaucoup, shift of paradigms. Euh, mais le paradigme entre les sciences de, de la nature et du vivant est très différent de, du paradigme dans les sciences humaines et sociales. Dans les sciences du, de la nature et du vivant, c'est essentiellement ajouter du vrai à du vrai. On savait ça. Et voilà, c'est magnifique, Récard, on a trouvé quelque chose d'autre, et vous ajoutez une feuille à un arbre déjà, euh, déjà florissant. Et c'est vraiment ce, cette, cette image de l'arbre de la connaissance que vous pouvez avoir. Euh, ici, quelques représentations plus ou moins euh, proches de, de, de la figure de l'arbre elle-même. En sciences sociales et en sciences humaines, et. Si je vous parle ce soir, c'est parce que je n'ai pas vu ça, j'en suis intimement persuadé, mais je, je le vois très très peu souvent écrit, très peu souvent, et ça me paraît absolument fondamental, c'est exactement l'inverse que l'on fait. On n'ajoute pas du vrai au vrai, au départ tout est faux. Et on tâche de retrancher du faux au poten, du, du, du prouvé comme faux au potentiellement vrai. Partant du principe que... Euh, définir qu'une qu chose est vraie, c'est très compliqué. Prouver qu'elle est fausse, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. On se réfère, euh, d'où le succès, des idées de Karl Popper euh, et son concept de réfutabilité, de falsibilité euh, en, en anglais. Pour prendre un exemple concret, c'est l'exemple d'un jeu de cartes. Mais vous voyez, normalement, un jeu de cartes a tous les dos de la même couleur. Mais là, on fait l'hypothèse qu'il enfin, oui, qu y a un jeu de cartes avec des, des dos de deux couleurs différentes. Rouge et bleu ici. Et vous imaginez que, par exemple, toutes les cartes de cœur et de carreau auront un, un dos rouge et toutes les cartes de pique et de trèfle auront un dos bleu ou noir, si vous voulez. Si vous voulez prouver que votre hypothèse est vraie, il faut, il faut aller jusqu'au fond du paquet. Il faut absolument aller vérifier ça jusqu'à la dernière carte possible. Si vous voulez prouver que c'est faux, dès que vous avez une carte. De cœur avec un dos bleu ou un dos noir, c'est bon, vous pouvez passer à une autre hypothèse et vous voyez là, très schématiquement, comment il est beaucoup plus simple d'écarter de, euh, de, du faux que d'ajouter du vrai. Et c'est ce que nous faisons en sciences sociales et en sciences humaines. Et, mais à cette aune-là, je suis aussi euh, très, très, très frappé du fait que les, la, les, nos connaissances euh, avancent vite. Elles avancent, elles avancent pas comme ça, elles avancent comme ça. Euh, Est-ce que j'ai. Voilà. Donc, vous avez les deux, les deux représentations. En histoire des en sciences humaines, tout est vrai au départ et on retranche du faux. Ça, c'est le départ, et puis vous évoluez dans le temps comme ceci. Euh, les sciences de la naturelle, euh, euh, c'est un peu caricatural, mais ce serait l'inverse. Les connaissances progressent vite et vous pouvez le mesurer avec le taux d'obsolescence moyen de la littérature. Vous savez là où on disait qu'en médecine, enfin on dit qu'en médecine tout ce qui a plus de trois ans n'est est l'histoire de la médecine, mais n'est plus intéressant pour le praticien parce qu'il a mieux à consulter. Il y a des choses qui sont le, le savoir à évoluer. En sciences humaines, vous pouvez encore, euh, euh, vous, on, on, a, on a du fruit à se, à se référer à des travaux qui peuvent avoir une génération ou deux. Et je connais des exemples où c'est plus encore. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. D'abord, il, il y a des graphiques. Hein, sur, en médecine, c'est 5 à 6 ans. Et, et ça a plutôt augmenté. C'est plutôt 6 à 7 ans, le taux d'obsolescence moyen. Euh, en histoire, je pense à la démographie historique, par exemple, euh, le, si vous consultez, si vous faites le compte des articles cités, eh bien là aussi, presque toute la littérature est récente. Et évidemment, il y a des pans entiers. Forcément, là, par définition, tout ce qui va toucher la révolution de l'ADN en histoire va être forcément récent. Mais ça, n'est pas de jeu. Il y a une conséquence à ça, retrancher du faux, euh, à, euh, retrancher du faux à du potentiellement euh, vrai, euh, c'est bien, c'est comme ça qu'on avance, mais la, con la, la conséquence euh, immédiate, c'est que ça prive euh, la recherche en sciences sociales et en sciences humaines d'une visibilité, puisqu'elle ne trouve pas, elle n'est pas dans ce paradigme RECA. Et donc, on le voit bien avec l'archéologie. L'archéologie, quand elle trouve quelque chose, euh, ça fait le buzz, si vous voulez, ça fait le tour du monde. Et je prends ici la paire de squelettes néolithiques trouvées près de Mantoue. Je salue les Italiens dans la salle euh, repris par la presse mondiale sous le titre les Allemands, les Allemands de Valdaro. Parce qu'ils s'embrassent. Ça, ça enfin, ils donnent l'impression de s'embrasser. C'est un, un homme et une femme, ça, euh, on peut le, on peut le, le montrer. Euh, ils s'embrassent, ça ne fait pas progresser nos connaissances historiques, mais ça fait le tour du monde. Euh, en revanche, s'agissant de quantifier l'économie romaine, ce qui est en réalité euh, quand même une, un des domaines euh, proches ou un des domaines que je, je pratique, euh, j'ai tendance à penser qu'on a avancé extraordinairement en restreignant le spectre des possibles. On peut vraiment moins dire n'importe quoi, euh, mais, mais vraiment moins dire n'importe quoi, vous voyez le degré d'attractivité de la chose pour les médias et les sponsors. Je vais passer maintenant c'est la deuxième partie de mon exposé, à la recherche en sciences humaines, de façon très 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 technique, rappelée des grands chiffres, les équilibres. Euh, c'est un. On dépense à peu près aujourd'hui dans le monde 1500 milliards de l'euro et le dollar aujourd'hui sont plus tellement loin, euh, en recherche et développement. Les grands équilibres, vous les connaissez tous, c'est deux tiers pour le privé effort privé, et un tiers seulement, donc 1 milliard, euh, 000 milliards pour le privé, et 500 milliards seulement pour le public. Les sciences humaines et sociales, les sciences humaines en tout cas, n'ont aucun accès virtuellement à de l'argent euh, privé. Si bien que si vous détaillez quelle est la part qui revient aux sciences humaines, vous voyez que sur les 500 milliards, il n'y en a que 10 pour les sciences sociales et humaines, et 2 pour... Les, euh, pour les, que, que et 10, pardon, il y en a 50 pour les sciences euh, sociales et humaines, et 10 pour les sciences, c'est-à-dire 2% de l'argent public pour les sciences euh, humaines. Euh, tout en bas de l'écran, vous voyez que c'est euh, 10 milliards, ça peut impressionner beaucoup les gens, mais ça part vite. Euh, on considère que la, la consommation de bière et de popcorn lors, lors d'une finale du Super Bowl aux États-Unis, c'est 1 milliard, donc ça fait 10 fois la consommation de bière et de popcorn lors d'une finale au, du Super Bowl. La recherche dans le monde, c'est quoi C'est un monstre, la recherche, je veux dire, le financement euh, public, c'est quoi C'est un monstre qui est le National Institute of Health aux États-Unis. Euh, avec 26 milliards de, de dollars euh, américains. Et vous voyez que derrière, euh, à distance très très respectable, vous avez National Science Foundation, ça c'est tout le reste de la, de la recherche pour les États-Unis. Et puis le CNRS, 3 millions 2, l'ensemble des 7 euh, euh, Research Councils euh, en Grande-Bretagne, 3 millions 2, la, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, euh, c'est 2 millions 3. 000, mais il y a le Max Planck aussi qu'il faudrait ajouter. Donc euh, ça fait bien plus pour l'Allemagne, on doit être à, à, à 6, j'imagine, pour l'Allemagne. Mais le Conseil, Supérieur des investigations scientifiques, vous voyez, et le Consiglio Nazionale. Je me tourne vers euh, euh, Arianna qui est italienne et qui euh, connaît bien cette euh, cette structure. Le Concilio Nacional, c'est euh, beaucoup moins encore. C'est pas tellement loin, d'ailleurs, du FWO et on pourrait parler du FNRS. Donc ça, c'est l'argent public. L'argent privé, vous voyez que il y a euh, une, quinzaine, une quinzaine de firmes qui dépensent chaque année plus d'argent que... Alors, bien, bien plus que le CNRS, euh, enfin que, que l'ensemble de l'argent la, public dépensé euh, par la France, euh, enfin dans chaque pays, la France, euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne, euh, l'Espagne et l'Italie, euh, bien entendu. Et pour euh, la France, il y a, je crois, 7 à 8 firmes qui, qui, ont une, qui dépensent plus d'argent en recherche et développement chaque année que le, tout l'argent, tout toute la dotation du CNRS. Ça, c'est le, le monde dans lequel euh, nous vivons. Euh, si vous prenez SSH, Social Sciences and Humanities, si vous prenez ici les pourcentages par rapport à l'argent public, vous voyez que ça peut varier. Donc c'est pour les deux. Hein. Euh, normalement, euh, pour 5, 5 euros, il y en a 4 pour les sciences sociales, 1 euro pour les sciences humaines. Et vous voyez que ça peut varier. La Suisse, en très, dont l'Institut polytechnique de Zurich, cartonne, euh, mais dépense assez peu en sciences sociales et humaines. Le Portugal, en revanche, bien plus. Euh, vous voyez ce que ça peut donner. Une diapo à gauche pour montrer que en sciences humaines, non seulement c'est beaucoup moins dans l'absolu, mais vous n'avez pas de chance de pouvoir augmenter votre capital par de l'argent privé. Les, les ronds bleus renvoyant à la capacité de trouver des financements au-delà de euh, l'argent public. Et puis ici vous avez quelques chiffres pour la Grande-Bretagne et vous voyez que par rapport au nombre, par rapport au financement de l'argent public, euh, Humanities, euh, l'estem. Euh, si vous voyez, si vous prenez le rapport entre le nombre d'étudiants et le, le nombre d'étudiants et le nombre de personnels encadrant, euh, vous voyez que les, bah, les étudiants en sciences humaines sont dix fois moins financés que les STEM. Mais ça, c'est pas, je ne veux pas du tout me lancer dans un, un mauvais combat à ce sujet. Euh, il y a bien sûr aussi, il faut tenir compte des laboratoires. Alors, et puis pour aller vite, euh, parce que c'est pas exactement le propos, mais ça me paraît quand même intéressant de resituer des équilibres. Chez nous, en, chez nous, c'est-à-dire en région euh, Wallonie-Bruxelles, si vous prenez le, le FNRS. En tous les cas, pour les mandats, pour l'argent bottom-up, pour les mandats, euh, les sciences humaines et sociales ne peuvent pas se plaindre, puisque vous voyez qu'il y a quatre commissions pour les sciences exactes et naturelles, il y en a trois pour les sciences de la vie et de la santé, et il y a qu'à cinq commissions pour les sciences humaines et sociales, dont la SHS4, dont j'ai fermement partie qui couvre l'archéologie, l'histoire euh, et la musicologie également, l'histoire de l'art, bien sûr, euh, d'autres euh, domaines connexes. Le l'argent européen bottom up parce que top down euh, il restait miette mais bottom up ça donne 25 panneaux et vous, 25 panels et vous voyez que les social sciences et humanities euh, peuvent compter sur six panels dont deux euh, cultures and cultural production and the study of the human past sont consacrés euh, enfin deux panels dans lesquels les recherches euh, de nature historique peuvent se retrouver c'est très très peu l'argent public consacré à la recherche en sciences humaines, c'est vraiment très 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 peu, mais ça s'améliore. Ça s'améliore euh, à l'Europe et on avait ici sorti, les, le, notre comité pour les, les sciences humaines de Science Europe avait sorti euh, des, des projections montrant que dans Horizon 2020, il est possible pour des projets de sciences humaines de s'intégrer dans les défis sociétaux, ce qui n'était pas le cas euh, précédemment. Euh, et il y a vraiment une, une prise de, de conscience euh, plus grande. Euh, Social Science and Humanities, d'autres euh, euh, initiatives ont été prises, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a des choses comme euh, c'est très petit pour vous, mais 30%, 30%, 24%, 17%, 30%, ça c'est le pourcentage maximal. Euh, auxquelles peuvent prétendre les sciences sociales et humaines dans les défis sociétaux, dans l'argent accordé aux défis sociétaux. Et puis très vite, rappelez que euh, des initiatives euh, également, ça c'est toujours l'Europe, Humanities and European Research Area, euh, lancée en 2009 pour un peu corriger le tir. Euh, le Fonds national de la recherche scientifique a lancé il n'y a pas longtemps le FRESH, le Fonds pour la recherche en sciences humaines, également aussi pour mieux euh, financer cela. Ça c'est la recherche. Le problème des sciences humaines, enfin pour le politique, je vais y venir, c'est le nombre d'étudiants. Si vous prenez ici, j'ai pas mieux, mais si vous prenez les statistiques, euh, la, ce qui s'est passé chez nous dans les universités, les, les licenciés, les gradués, les masterisés, si vous voulez, des universités belges entre 1995 et 2003. Il faudrait actualiser ça aujourd'hui. Vous voyez que là, on a des pourcentages négatifs, des pourcentages positifs. Le, le, la, le type d'étude où on a de plus en plus d'étudiants, qui a le plus augmenté en termes de, de proportion d'étudiants, c'est les sciences humaines. Et si vous prenez, le, ça c'est le pourcentage euh, en 2003, le pourcentage total, vous voyez que les sciences sociales cartonnent. Et si vous ajoutez les sciences sociales, 48, plus les sciences humaines, 12, vous arrivez à 60% de la population étudiantine est aujourd'hui dans une université inscrite en sciences sociales et en sciences humaines. Et la question qui se pose, c'est est-ce une machine à produire des chômeurs euh, le, Les temps sont mauvais. L'utilitarisme est en pousse des ailes comme jamais. En France, le débat est récurrent. Vous l'avez ici, ça date un peu déjà. Les sciences humaines mènent le chômage si vous, êtes, si vous voulez être absolument désespéré sur euh, la, la, la difficulté de trouver un emploi, mais c'est dans un contexte américain, je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder « So you want to get a PhD in the humanities ?» Ces deux petites vidéos de 5 minutes qui vous font le catalogue de toutes les misères qui vont vous attendre. Euh, et puis vous savez aussi que tout récemment, la presse s'est beaucoup émue euh, mondiale du fait que les universités japonaises se sont vues intimées en juin. Su, chacune, euh, les recteurs ont reçu une lettre leur demandant de, euh, de supprimer rien moins que les euh, facultés en sciences sociales et en sciences humaines. C'est ce qu'on a appelé les abénomics, hein, Shinzo Abe, euh, sur un fond d'utilitarisme. C'est toujours bon d'avoir John Stuart Mill euh, à l'écran. Alors. Si vous prenez la situation américaine encore, je vais pas être trop long et pas trop désespérant euh, non plus, mais vous voyez ici un, un graphique. Il ne faut pas que je bouge trop. Euh, un, un graphique qui vous montre à la fois le taux de chômage 0%, 2%, 4%, on était aux États-Unis hein, 6%, 8%, 10%, 12%. Vous voyez les sciences humaines c'est ici euh, 9%, enfin 8% quelque chose. Et puis aussi votre, votre salaire moyen. Et vous voyez que par rapport à un ingénieur, par rapport à un ingénieur, non seulement vous avez 50 de plus d'être au chômage, mais vous avez surtout, vous avez gagné deux fois moins, ou à peu près. Ce qui est une, ce sont des paramètres dont il qu'il faut avoir à l'esprit. Bon, suffit pour euh, ma campagne de désespoir, je passe à des choses euh, différentes. Et il y a des choses évidemment différentes, le reste de ma conférence est, euh, est destiné à l'illustrer. Si vous prenez l'indice, les, les 500 euh, sociétés les plus capitalisées aux États-Unis, l'indice Standard Poor's 500, euh, on s'est intéressé à savoir quelle était la formation en major des CIO. Euh, et vous voyez que ben, le, le, le plus gros, pas de beaucoup, mais enfin le plus gros pourcentage euh, de CEO du, du, de l'indice 500 Standard Poor a, a eu comme major art, humanities et social sciences. Alors, il y a évidemment une explication du trucage. On était aux États-Unis euh, où on fait des études pour euh, se développer l'esprit et si on peut de toute façon récupérer... Euh, alors, ce n'est pas vraiment très américain, ça, mais euh, les commandes d'une firme qui aurait été créée une génération ou deux générations avant, ça, c'est pas très américain. Euh, on, peut, on peut se permettre ce luxe-là. Plus intéressant est l'étude... Encore une fois... C'est bien d'avoir des études qui sont robustes par l'échantillon. C'est une étude qui euh, a été pilotée, certes, par euh, le Research Council for the Humanities de Grande-Bretagne, mais qui s'est intéressée aux, aux étudiants euh, licenciés, gradués, masterisés en sciences humaines entre 60 et 89. Ça vous fait beaucoup de monde? Des, il, y a, il y a plus de 25 000 étudiants qui sont passés au scanner comme ça. Et ils sont, on s'est aperçu que ces étudiants ben, avaient trouvé leur voie dans la société Il à des postes de, qui pèsent, qui comptent pour le. le lance, à des postes de, relativement de commande dans un très grand nombre de cas. Et euh, l'exception, le, la chose la plus remarquable qui a été très, euh, très rapportée par la presse en Grande-Bretagne, c'est le fait que les philosophes, mais les historiens, les philosophes sont en bleu ici, les historiens, si vous, on peut dire nous hein, ce soir, euh, nous sommes ici euh, en, en orange. Et vous voyez, c'est euh, dans le cas des philosophes, près d'un philosophe, près un, un, un gradué sur deux en philosophie d'Oxford est aujourd'hui dans la finance. Ça ne veut pas tout dire non plus. Simplement qu'il euh, est évident que ce sont des formations qui forment pas si mal euh, et qui sont tenues en compte d'ailleurs beaucoup plus dans le monde, euh, dans l'Europe, je dirais, anglo-saxonne et du Nord que dans l'Europe méditerranéenne où on vous laisse faire vos preuves au-delà au -delà de votre diplôme. Pour le politique, on le voit, il y a deux handicaps radicaux avec... Euh, les sciences humaines, puisque le logiciel actuel du politique, c'est que les, 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 les élections se jouent sur l'emploi, hein, et le moteur de l'emploi est la croissance technologique. Ça, c'est vraiment euh, inscrit euh, de façon reptilienne chez n'importe quel décideur, et on comprend bien pourquoi. Et dès lors, les formations en sciences humaines sont dès lors perçues comme le problème plutôt que la solution, parce que l'esprit critique, c'est bien beau, mais si ça amène des cohortes importantes vers le chômage, c'est pas ça qui va les faire réélire. On comprend très bien comment ça fonctionne. Le, c'est même pire, puisque, avec le logiciel de la croissance technologique qui vous amène de l'emploi et qui va vous faire réélire, le politicien sait que s'il si finance une start-up, c'est local, et il a un espoir de, que c'est un impact sur l'emploi. Dans un terme chronologique intéressant pour lui, c'est-à-dire celui de sa prochaine élection, c'est-à-dire 4 ou 5 ans si vous voulez. Donc c'est des bénéfices d'un impact local et des bénéfices à court terme, c'est ce que la technologie peut apporter, un investissement. Si vous investissez sur les sciences humaines, c'est dramatique pour un politicien, puisque c'est une réflexion qui est globale, qui va profiter à tout le monde et pas particulièrement à ceux qui sont vos électeurs, et c'est une ré réflexion dont les, le, qui, qui, qui est plus un bateau, euh, un, 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 un lourd pétrolier, euh, peut-être pas une très, très bonne. L'image. Mais enfin, une, ce sont des bénéfices qui sont euh, massifs et qui formatent véritablement la pensée, j'y reviendrai, mais plus à long terme. Est-ce que la situation est totalement désespérée Non, les lignes bougent et les lignes bougent très très clairement. Elles bougent pourquoi Parce que, parce que euh, la caisse de résonance devient de plus en plus audible. Nous vivons dans un monde qui, dont le, le court-termisme systématisé, le court-termisme des médias, euh, l'émotion euh, dans, dans la journée, la semaine ou le mois et après on passe à autre chose. Euh, les, le court-termisme de la spéculation financière et le court-termisme de la politique euh, qui a comme horizon naturel les prochaines élections, euh, ça crée un problème fondamental à long terme et aujourd'hui la conscience de vivre dans un monde global et où il faut quand même se mettre ensemble et c'est particulier et devient de plus en plus vive et naturellement le point de cristallisation le plus fort de cette prise de conscience c'est le climat et les considérations environnementales de nature écologique. Et en effet, si on change de logiciel, si vous voulez bien imaginer que les sciences, la technologie comme facteur de croissance économique ça c'est le, le logiciel encore actuel mais déclinant mais le logiciel du politique. Alors les sciences humaines sont le problème, mais si vous voulez un monde soutenable et où vous vous intéressez pas à la croissance mais au bien-être, à ce moment-là, les sciences humaines elles ont quelque chose à vous dire et c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer et à ce moment-là, elles deviennent plus la solution. Dans le même temps, la technologie, c'est bien, mais elle peut, être, euh, elle peut avoir des effets positifs, elle peut avoir des effets négatifs. Alors, bien sûr, c'est un peu facile. Science can tell you how to clone a Tyrannosaurus Rex. Humanities can tell you why this might be a bad idea. Euh, ce dont on s'aperçoit, euh, ce, ce dont on s'aperçoit, euh, mais lentement, pas assez, euh, c'est que l'arbre de la connaissance, euh, de la technologie, il peut être toxique. Euh, et je plaiderais de façon un peu perverse pour ma part, à ce que dans les... quand vous devez remettre une demande, un projet et essayer d'avoir de l'argent, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, on vous demande aujourd'hui toujours d'avoir un impact sociétal. Mais c'est entendu comme étant un impact sociétal positif. Qu'est-ce que vous faites de bien qui peut intéresser les gens Il faudrait peut-être aussi réfléchir à l'impact sociétal négatif. Qu'est-ce que vos recherches peuvent amener, peuvent si on les détourne, si on les utilise d'une manière, euh, d'une manière euh, peuvent euh, éventuellement avoir comme, comme impact euh, négatif, parce que les avancées des sciences humaines et sociales déterminent euh, largement la manière de penser de l'ensemble de la société, qu'elles anticipent souvent avec un décalage d'une génération. Vous allez dire, je, euh, je vous demande de me croire. Euh, alors bien sûr, là, la démonstration prendrait, serait un peu longue, mais euh, il est évident. Vous pouvez faire. Ici, vous avez, euh, vous avez les quatre, quatre penseurs qui viennent le plus spontanément à l'esprit s'agissant des, des grands mandarins euh, français qui ont, euh, dont laura aux états-unis a, a, a été foudroyante pour une génération et encore aujourd'hui michel foucault jacques lacan claude lévi-strauss euh, roland barthes vous pouvez je le dis comme ça euh, on, peut, on peut argumenter vous pouvez montrer que claude lévi-strauss le structuralisme ou plutôt un structuralisme mal compris à Formater des générations de banquiers et la dérégulation bancaire, vous pouvez argumenter dans ce sens, vous ne pouvez pas argumenter dans l'autre sens. Les banquiers n'ont pas formaté Claude Lévi-Strauss. Euh, la même chose avec John Rawls, A Theory of Justice. Vous avez en médaillon l'image de Martha Nussbaum, qui, est, qui fut la conseillère d'Obama et d'Obamacare de et des choses comme ça. Là aussi, ça percole, mais, mais, ça, mais quand ça percole, ça percole très euh, lourdement. Les sciences humaines et sociales sont dotées d'un pouvoir extrêmement puissant, même si difficile à mesurer. Et oui, avec des résultats souvent plus efficaces et plus durables que ceux obtenus de façon contrainte par la violence. Et puis surtout, si vous songez à quand même une chose dont on devrait tous avoir à l'esprit constamment, c'est-à-dire l'équité euh, dans le monde, euh, elles ont été, nos, nos sociétés ont été changées en profondeur par des, des mouvements portés par les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'elles ont été, que ce, ces débats ont existé dans le monde académique bien avant que le politique ne s'en empare, euh, et ça, presque toujours dans une perspective de plus grande équité. Alors vous pouvez en penser aux au dossiers emblématiques, la décolonisation, les gender studies, les droits démocratiques en général. Et inversement, le logiciel technologie croissance économique s'est souvent, euh, souvent retrouvé associé à des formes d'inéquité grandissantes. J'en viens maintenant à euh, l'avant-dernière partie de mon exposé, qui est. Euh, le, le métier d'historien, euh, si vous voulez, face à ce présent simple, et franchement, il faut le dire, notre époque a comme jamais oublié le sens de la profondeur historique. Euh, la technologie, le mon... enfin, les, les décideurs euh, sont moins que jamais euh, acquis simplement à l'idée d'avoir, de se tourner vers ce que le passé peut leur apprendre. Euh, le présent simple, on l'a dit avec euh, le court-termisme, euh, la démocratie enrayée, c'est le, le titre d'un colloque qui s'est tenu euh, ici même, à l'Académie euh, royale. Great Street contre Wall Street, l'audimat, très bien. Le passé composé. Mais c'est quoi la pratique de l'historien La pratique de l'historien, c'est, encore et encore, il faudra toujours le dire, c'est quand même contextualiser, problématiser. Tant que vous faites, quand vous alignez les, 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 les faits et que vous faites euh, un merveilleux tissu sans hiérarchiser, sans contextualiser, sans problématiser, vous êtes un érudit, mais vous n'êtes certainement pas un historien. Euh, s'interroger sur la complexité et la multiplicité du réel. Et cette phrase, je le cite parce qu'on la, la donne toujours à Umberto Eco, c'est Henry, uh, Henry Louis Mencken à, euh, à, à qui il faut la, la donner. « À tout problème complexe, il existe une solution simple, et elle est mauvaise. » C'est à peu près emblématique des, de, des dangers euh, aujourd'hui et de, du vrai métier en, en sciences humaines, mais surtout en histoire. Parce que c'est quoi la définition de l'histoire? c'est quand même l'esprit critique, on l'a dit. mais au delà d'être un, un, un principe euh, général, c'est quand même l'esprit critique, la capacité à penser par soi-même, c'est normalement la marque distinctive de l'universitaire. c'est ça qui fait que c'est un estampier, c'est bon pour le service, c'est un universitaire, il est capable de, de le faire. et euh, les tentatives d'utilitarisme avec simplement des, un savoir technique sont euh, euh, très mortifères à terme pour n'importe quelle société. je donne quelques exemples. ils sont peut-être euh, pas les plus euh, euh, actualisé, mais vous voyez, euh, dans le cursus historique, vous avez, euh, je donne juste à l'ULB, exercice sur la construction de savoir historique, critique des sources, enjeux et philosophie de l'histoire, d'autres cours critiques historiques à l'UCL, logique et argumentation en sciences humaines, c'est vraiment, ça fait partie du bagage, c'est la chose sur laquelle on insiste le plus. Et finalement, donc, contextualisation obligatoire des sources, la calonne Forschung, Complexity in the Humanities, et j'aime bien euh, opposer ce qui est de technique, mais qui s'oppose. Très à très entre l'esthétique en sciences de la nature et l'esthétique dans les sciences humaines, le rasoir de cam dans les sciences de la nature et en mathématiques. Vous savez qu'en mathématiques et en sciences naturelles, on va considérer que la démonstration la plus simple est la plus élégante. Vous pouvez faire compliqué, mais si vous arrivez à la chose la plus simple, c est, c est, c est, il y a une prime à l'élégance, à cela. En sciences humaines, c'est exactement l'inverse. Euh, ici, la lecture difficile d'or, ça s'adresse au texte, au philologue. Entre deux versions, entre une compliquée et une simple, vous allez toujours prendre, l'historien va toujours prendre la plus compliquée, parce que c'est la plus difficile à dénaturer. Euh, c'est là où il y a le moins de possibilités qu'il y ait eu euh, une distraction du copiste, quelque chose, un événement qui soit intervenu. Et non, d'un côté, vous avez la simplicité comme modèle, une réduction à la simplicité, et de l'autre côté, vous avez la complexité comme, euh, comme euh, esthétique. Euh, par ici. Alors, ça a des implications qui sont euh, parfois très pratiques. Euh, je ne crois pas du tout qu'il soit euh, aléatoire, enfin qu'il soit euh, anecdotique, peu important, euh, un, 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 euh, rhétorique, de se battre pour la note infrapaginale, <laughs> la note infrapaginale dont Anthony Grafton a fait l'histoire. Euh, mais vous voyez, les pratiques aujourd'hui. Massivement des sciences de la nature et du vivant, et qui, dont on voudrait, euh, dont, dont on voudrait euh, forcer les, les historiens et les spécialistes des sciences humaines de les appliquer dans leur champ, c'est de procéder comme ça. C'est-à-dire, vous rejetez la bibliographie enfin, et vous faites, euh, par exemple ici, vous renvoyez à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est très bien. On se demande si les gens l'ont vraiment lu. De toute façon, il n'y a pas de référence à la page précise. Et c'est toute l'étude. Voilà. C'est um, comme si on se protégeait, on se mettait à l'abri avec des dessins protecteurs de la littérature passée de gens qui ont fait des choses très bien euh, en sciences humaines et en sciences sociales en sciences humaines en particulier en histoire en particulier la note infrapaginale, c'est fondamental. C'est expliquer ce que, il y a une chose ici qui est certaine, mais, mais, mais telle autre n'est pas certaine. Telle autre, on n'est pas, le consensus n'est pas fait. Euh, telle hypothèse a été mise par monsieur un tel, Telle autre hypothèse a été mise par madame un tel. Euh, et c'est donc de faire la place à la complexité. Et il faut, je pense, se battre pour la, <laughs> parce que là, on ne touche pas à la forme, on touche au fond. On touche à la capacité de s'exprimer. C'est quoi la bonne histoire? <laughs> Je prétends que c'est agir en boxeur, c'est-à-dire euh, c'est multiplier... Bon, le bon historien, c'est celui qui connaît, qui maîtrise le plus grand nombre, toutes les sources, toutes les sources disponibles et toutes les techniques qui permettent de faire parler le document. Euh et aujourd'hui, pour les, les disciplines que je, le, le, les époques que je pratique le plus couramment, c'est-à-dire l'Antiquité, c'est très très loin d'être euh, un seul philologue. Avec la philologie, vous, avez, vous faites de moins en moins euh, l'ensemble en, du parcours. Euh, il y a tellement de, de techniques du labo, euh, mais il y a aussi tellement de, de disciplines des sciences sociales. D'ailleurs, évidemment, la démographie, l'anthropologie, la sociologie, l'économie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, euh, qui interviennent. Et, et à la fin c'est vous agissez en boxeur parce que euh, c'est à force de varier les angles et, et d'accumuler les présomptions que vous créez une présomption forte, quelque chose qui devient euh, robuste. En ce sens, c'est vraiment dépasser la querelle des antiquaires entre l'historien des textes, le philologue, et l'historien de l'objet, l'archéologue, même si cette querelle court euh, et n'a pas fini à, à travers les siècles. Quand on rentre dans la fabrique de l'historien, euh, et je me réfère ici à, aux travaux de Paul Veyne, euh, tout le monde se réfère toujours, à un moment dans le monde francophone, aux travaux de, de Paul Veyne. Euh, C'est l'insaisissable événement historique. On ne peut pas le fait pur, l'événement pur que l'on pourrait euh, parfaitement cerner, parfaitement maîtriser, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une chimère. Euh, complexité radicale des sciences historiques. L'événement historique est toujours construit puisque rapporté, l'intrigue. Euh, et pourquoi eh Bien parce que les faits majeurs qui intéressent l'historien font intervenir un grand nombre d'acteurs. Très bien. Chacun de, possède une... Chacun de ces acteurs possède une identité réelle. En fait, vous pouvez vraiment la laisser tomber, les anthropologues en général la laissent tomber. Une identité construite, c'est comment vous voulez être perçu par les autres. Et une identité perçue, une identité subie, l'identité comment vous êtes perçu par les autres. Et en effet, l'identité réelle, c'est jamais... Enfin, vous n'avez pas, l'historien euh, honnête euh, doit conclure que l'identité réelle est aussi une chose, une, une, un but inaccessible. Et puis, l'identité réelle de chaque acteur, si tant est qu'elle est réelle, euh, est plurielle. Alors, Opposé, Jeu est un autre, d'Arthur Rimbaud, ça a fait le tour du monde, bien sûr. Le jeu est multiple, tout le monde pourrait le dire, tous les psychanalystes, c'est l'essence même de la psychanalyse. Euh, mais dans le champ historique, on l'attribue à Pierre Vidal-Naquet. J'avais envie de vous illustrer la figure de ce grand historien, euh, Pierre Vidal-Naquet. C'est quoi l'histoire Eh bien, c'est toujours, donc, dans la lignée de ce que je viens d'expliquer ici, c'est pensée reprise, à, phrase reprise, citation reprise d'Henri René Marrou de la connaissance historique. C'est nous connaissons du passé. Ce que nous croyons vrai, de, ce que, ce, que nous croy, de ce, que, ce que nous croyons vrai, de ce que nous avons compris, de ce que les documents ont conservé. Donc un, il faut rassembler tous les documents. C'est l'heuristique, c'est tout ce que vous voulez. Deux, il y a ce que nous avons compris. Ça, c'est vraiment le métier de l'historien. Il est dans sa, dans sa fabrique, dans son atelier, c'est comme ça. Et puis il ne doit toujours, jamais per, perdre point, son, son point de vue, qui il est, pourquoi il euh, fait un, un effort de distanciation euh, qui distingue euh, l'historien. Une des tentations, c'est de se dire, ok, tr enfin, okay. très bien, le, le fait, l'événement historique nous échappe, mais est-ce qu'il nous échappe vraiment Est-ce que dans les bons cas, est-ce qu'une euh, une enquête, dans les bons cas, on est bien documenté, quelque chose de phénoménologique, on aurait tous les angles, ne nous permettrait pas d'atteindre le Graal en soi, et, et c'est l'histoire, euh, c'est les case studies, euh, Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines, et moi, le, et Emmanuel Leroy d'Adurie, Montaillou, Village Occitan, Waterloo, Les Lettres Anglaises, j'ai un petit peu détaillé ceci. Euh, parce que c'est plus proche de nous. Donc c'est un, un officier anglais qui a participé à la bataille et qui, après la bataille, a demandé à toute une série de combattants, pas seulement anglais, et il leur a donné un petit schéma du, du plan de bataille en disant « Où vous étiez ce jour-là Et racontez-nous votre journée ». Vous imaginez, donc, euh, des centaines de personnes racontant la même journée en étant géographiquement localisées. Un, un bonheur pour l'historien euh, absolument. Et il faut toujours rappeler que si on a que ça, c'est aussi l'exercice de l'historien, c'est toujours se demander pourquoi il y a quelque chose et pas rien. Euh, les gens heureux n'ont pas d'histoire euh, très bien. Euh, c'est qu'il y a toujours un événement important qui est arrivé, une bataille, Waterloo, Bouvines, ou l'arrivée fracassante d'un inquisiteur dans le village, dans le cas de Montaillou, euh, village occitan. Aujourd'hui, on assiste à la tension, elle a toujours existé, mais elle est assez forte, entre euh, une histoire dite connectée, c'est les case studies, le récit ponctuel, démontée et donc. On s'attache à un événement, à une période, à un groupe social, et on démonte la construction des points de vue, y compris le sien, c'est ce qu'on vient de voir. L'attrait, c'est être au plus près du métier, ça c'est vraiment la fabrique de l'historien, c'est ce, sa, sa technique. Euh, le danger, c'est finalement une certaine euphorie de l'inquiétude comme valeur en soi. Et je me demande, quand on voit parfois certains historiens euh, s'exprimer euh, en débat, euh, on se dit que, euh, que l'impression qu'ils peuvent faire doit être un peu bizarre dans la mesure où il y a une, une sorte de compétition pour être celui qui est le moins sûr. De son savoir, qui est donc le plus, qui a le plus contextualisé son savoir et qui, a plus, à force de le mettre en perspective, euh, est, est le gagnant parce que c'est celui qui euh, est le moins péremptoire. Euh, et face à cela, vous avez les récits globalisants, l'histoire. Ton... Alors, si vous avez Jacques Le Goff à l'écran, et Arnold Tonby. Ah, une histoire comparative, qui, euh, comparatiste, euh, qui, dans le monde francophone en tout cas, s'en du... est, est pas véritablement relevé. On ne fait plus de l'histoire comparatiste aujourd'hui, <laughs> tellement euh, il a un peu l'œil noir. Euh, organisé sur la longue durée une documentation disparate. Évidemment, l'attrait, c'est de tenir un discours utile pour nous maintenant. Là, c'est le passé qui éclaire le présent. Euh, et le danger, c'est évidemment aussi, mais il faut s'en rendre compte, c'est une forme d'optimisme général de, de, de travaux qui sont téléologiques et qui, qui flirtent avec le science de l'histoire. Voilà, le passé, vous organisez le passé, et avec ça vous comprenez le présent. Et euh, est, euh, ceci est beaucoup plus continental européen, ceci est plus euh, anglo-saxon, surtout euh, américain. Euh, et et, et peu, de, peu de francophones pratiquent euh, ceci. Alors. L'histoire euh, sérielle versus l'histoire événementielle, les case studies face à, rappeler mais je vais aller très vite, euh, Pierre Chaunu pour l'histoire sérielle, l'école des Annales. Oh, attendez, c'était pas ça que je voulais faire. Euh, Marc Bloch et Lucien Febvre pour euh, euh, l'école des Annales, qui ont élargi le champ à tout, le champ de, de l'historien, avec une, une mise en perspective. Et aujourd'hui, euh, aujourd vous avez le, le, le champ. Enfin, je dirais quand même, il y a une tendance très très lourde à faire dans le global. Euh, ce n'est pas un hasard si vous avez, on a vu apparaître, j'en prends deux exemples ici, le Journal of World History ou le Journal of Global History qui sont nés euh, récemment. Euh, S'il si est tout à fait tendance de comparer euh, la Chine des Han et l'Empire romain, ce sont les deux seuls empires qui ont duré 4 ou 5 siècles au moins, euh, et à des milliers de kilomètres de distance, et d'essayer de voir comment ça se passe. Et de toute façon, c'est une histoire qui est beaucoup plus euh, scientifique. Je reviens à mon dernier point, vous êtes là pour ça, okay. <laughs> et vous n'allez pas tout savoir, euh, vous allez juste avoir mon point de vue euh, à, nourri par ces réflexions, pourquoi, pourquoi l'histoire euh, je vous ai dit. Donc ici, vous avez quelques documents apéritifs. À quoi sert l'histoire À quoi sert l'histoire Why history matters Mais en réalité, les historiens de métier, surtout dans le monde continental, je dirais européen continental, s'aventurent pas euh, très loin de ça. C'est s'aventurer extrêmement loin de leur, euh, de, leur techné, de leur de leur atelier, de leur fabrique. Euh, et c'est plutôt ici, en, en tous les cas dans le, le cadre de ces, de, de ces deux documents-ci, ce sont plutôt des émissions de radio qui ont été qui ont donné l'objet d'un livre. Il faut tout de suite dire, je vais parler du collectif de l'important après, mais il y a d'abord il y a un bonheur vous tous qui êtes ici, il y a un, il y a un, un bénéfice évident à faire de l'histoire euh, et qui est, or je veux pas, euh, j'en je suis, je le vis, j'en suis intimement euh, persuadé, c'est une des meilleures stratégies pour être en paix avec soi-même et les autres, une version élargie du gnotis auton, du connais-toi toi-même, et c'est l'idée toujours hein, en, tra en travaillant par euh, l'inverse, le malheur c'est facile et ça s'apprend. J'aime beaucoup le manuel du parfait petit masochiste de Dan Greenberg. C'est pas un livre très important, mais la, la structuration de la table des matières est très chouette. Il y a quatre chapitres. Il y a, le premier chapitre, c'est comment perdre son emploi. Et je vous assure que si vous mettez en, en application les recettes qu'il donne, vous perdez votre emploi. Deuxième chapitre, c'est comment perdre sa femme. Là aussi, ça marche à tous les coups. Troisième chapitre, comment perdre ses amis. Et quatrième chapitre, enfin seul. Et ça marche. Donc, si être malheureux, c'est facile. Vous pouvez vous lisez Dan Greenberg, vous et appliquez et vous y êtes. Le bonheur, c'est beaucoup plus compliqué, euh, ça se saurait. Cela dit, être fortement relié à son passé, d'une part, pas faire le Don Quichotte, se battre contre des moulins parce qu'on connaît mal le monde et qu'on le réinvente, et, euh, et, mais, mais par, mais par, et en revanche, riche de projets tournés vers le futur, c'est fr franchement la clé pour vivre le plus pleinement et sereinement le présent. Alors vous pouvez voir le, le petit passé personnel, et c'est la vogue de la généalogie, par exemple, à la Bibliothèque royale de Belgique, où j'ai mon bureau, mon bureau. Euh, on est bien placé pour le voir, et le grand passé collectif. Ça, c'est un bénéfice personnel. Alors ce qu'elle n'est pas... C'est raconter des histoires édifiantes ou être instrumentalisé par le politique. Euh, ici, quelques documents. Quand Stéphane Bern dit :« Les pourquoi de l'histoire, ces petites histoires qui font les grands mystères », c'est vraiment la contradiction du métier d'historien. Il faut dire, il faut dire là aussi que c'est un autre handicap du, de, de, du métier d'historien. L'historien est en général un rabat-joie. Euh, les gens sont prêts à s'enthousiasmer pour plein de choses, euh, les Celtes, les Cathares ou d'autres choses, et l'historien vient vient, est toujours celui qui vient leur dire, vous savez, ce n'est pas comme on pense, ce savoir est construit, il est manipulé par un tel, et puis au deux siècles plus tard, il était encore remanipulé, et ça vous fait perdre tout votre enthousiasme pour les Cathares ou pour les Celtes. Donc c'est un, un rabat-joie, euh, normalement, et, et Stéphane Bert n'est pas un rabat-joie. Euh, et la donc, l'histoire vraie pour le divertissement, la, la culture c'est comme la confiture, c'est bon, là c'est trop petit, mais c'est quand même le plus savoureux, c'est bon, même après la dinde au marron, euh, c'est évidemment une perversion de ce que vous connaissez, qui est l'adage, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, euh, mais ici c'est bon, même après la dinde au marron. Et quand Alexandre Dumas, qui s'y connaissait, le bougre, dit on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, euh, eh ben non, <laughs> c'est pas ça l'histoire. Ce que n'est pas l'histoire non plus, c'est le devoir de mémoire. Alors, j'ai pris ça parce que c'est la version actualisée, mais quand même, à travers tout, euh, toute l'histoire euh, moderne et contemporaine, 16e, 17e, 18e, 19e siècle euh, et 20e siècle moins, l'histoire a été mise au service des puissants. C'est toujours l'histoire des vainqueurs et, et, du, et des puissants que l'on raconte. La revanche, c'était évidemment euh, la revanche du politique qui instrumentalise l'histoire, très bien. Euh, récemment, et je remercie Philippe qui est dans, dans la salle de m'avoir euh, transmis cette, qui, cette double page qui vient de paraître dans le monde de Patrick Boucheron qui vient d'être nommé au Collège de France et qui est un, un historien absolument remarquable, il est vraiment à sa place au Collège. Euh, la recherche d'une identité est contraire à l'idée même d'histoire. Pourquoi Mais Parce que l'histoire, c'est justement de voir que les choses sont flottantes, jamais figées, qu'elles sont en mouvement, et l'identité nationale, c'est exactement le, le contraire. Euh, un texte qui est un peu ancien mais vous voyez les plumes qui l'ont signé c'est une brochette redoutable d'intellectuels français c'était d'ailleurs pas si ancien et je vous le lis avec si c'est trop petit pour vous ce euh, que dit ce texte, l'histoire n'est pas une religion, l'historien n'accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabou, il peut être dérangeant, l'histoire n'est pas la morale, l'historien n'a pas pour rôle d'exalter ou de condamner, il l'explique, l'histoire n'est pas l'esclave de l'actualité, l'historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n'introduit pas dans les événements d'autrefois la sensibilité d'aujourd'hui, l'histoire n'est pas la mémoire, l'historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces et établit les faits. L'histoire tient compte de la mémoire. Elle ne s'y réduit pas. L'histoire n'est pas un objet juridique. Dans un État libre, il appartient ni au Parlement ni à l'autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l'État, même animée des meilleures intentions, n'est pas la politique de l'histoire. C'est en violation de ces principes que des articles de loi successives, notamment, vous avez à l'écran, ont restreint la liberté de l'historien. Lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit trouver. Lui ont prescrit des méthodes et posé des limites. Nous demandons l'abrogation de cette disposition législative indigne d'un régime démocratique. Je me resitue dans l'axe. Euh... <laughs> le... Le... Si vous voulez, l'argumentation qui est le plus souvent développée pour le, le pourquoi de l'histoire, c'est euh, parce qu'en comprenant mieux l'histoire, on va pouvoir être un peu moins bête et un peu plus, euh, y avoir des... des clés pour euh, prendre des décisions s'agissant du futur. Euh, deux citations, l'homme de l'avenir qui sont joliment troussés parce que c'est quand même Nietzsche et Victor Hugo, l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, l'avenir est une porte, le passé en est la clé, aphorisme, et les livres récemment produits, je les ai pris comme ça, euh, ré récemment publiés par Jacques Attali grand ami aussi de cette Académie royale de Belgique, peut -on qui va venir dans deux semaines euh, s'exprimer ici. Peut-on prévoir l'avenir, une brève histoire de l'avenir Mais lui, évidemment, Jacques Attali, c'est euh, en toute connaissance d'une palette de, de savoirs euh, dans les sciences sociales, les sciences humaines, et, et, sur, et la technologie, et la finance, et, et, et la politique, euh, qu'il est amené à faire des prédictions, d'ailleurs euh, forcément pas à, des prévisions à pas trop long terme. Pouvoir orienter l'avenir parce qu'on comprend le passé, c'est une prétention qui est énorme qui est, et qui a été largement disqualifiée ben, par les, les cataclysmes du XXe siècle. Les deux guerres, la Shoah, euh, ont désespéré les gens, y compris les historiens. Et vous voyez euh, Lucien Fèbre, le père des Annales, euh, qui, après la Seconde Guerre, écrit La seule leçon que l'histoire prétend donner, c'est qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire, c'est que l'histoire n'oblige pas. Alors attention, l'histoire n'oblige pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne contraint pas, mais obliger, jamais. Contraindre Oui. L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout, ça c'est beaucoup plus désespéré, mais c'est Paul Valéry euh, qui le dit. Pouvoir orienter l'avenir à la lumière du passé, ça crée une, une tension naturelle, euh, fondamentale, et définitive entre les historiens d'une part, le, le long passé, et les politologues de l'autre. Puisque d'un côté les historiens vont tendance à penser que l'histoire est têtue et que les fondamentaux contraignent et euh, les politologues à pas trop s'embarrasser de ça et se dire que l'histoire ne se répète jamais et n'a aucune leçon à donner. J'ai tendance, ceci est subjectif de ma part, en fait comme tout le reste, hein, mais euh, ceci est, est une opinion personnelle, mais de ce que j'ai lu dans l'immense quantité d'informations et de désinformations, tant, euh, je dirais, des informations européennes que des informations euh, russes, euh, publiées à l'occasion de la, de, la, de la crise en Ukraine, euh, du déchirement en, en Ukraine il m'a semblé quand même, c'est évidemment un prodomo, que les choses les plus sensées, les plus profondes, les plus intelligentes au sens étymologique que j'ai lu étaient les choses qui se référaient à un passé, à des fondamentaux les plus importants. Autrement dit, quand on a un bon politologue, s'il est bon, c'est en réalité parce que c'est un bon historien. Et quand on a un, un mauvais historien, c'est plutôt parce qu'il euh, est prêt à se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Et Dieu sait si, euh, et est, on, on est toujours plus en plus peiné par ce qui nous touche, par ce qui arrive dans sa propre famille, Dieu sait si la désinformation de nos médias s'agissant d'Ukraine a été forte. Euh, et on en vient à une chose qui est en fait le point final que je vais développer maintenant et qui, est, qui me tient à cœur, et c'est de nouveau, c'est déprimant. On dit que la science lugubre, dismal science en anglais, c'est Carlyle qui a forgé l'expression, le, le, la, la science lugubre c'est l'économie. Parce que contrairement à la science de la nature, aux sciences de la médecine qui ne viennent qu'avec des bonnes nouvelles en disant on va vous allonger, euh, l'espérance de vie c'est formidable, on a encore découvert cela, l'économie non. En réalité, l'histoire c'est pire. Euh, c'est vraiment la, une science euh, qui n'est pas là pour. Euh, dont le principal, la, 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 le principal, la principale raison, je, je suis prêt à, à suivre Martha Nussbaum qui, quand elle dit, elle avait dit récemment que le rôle des sciences humaines est d'apprivoiser la bête qui est en nous, encore et toujours, peut-on dire. Euh, Christian de Duve, parce que dans son dernier livre, publié quelques mois. Avant qu'il mette fin à ses jours, euh, Christian Deduve explique que Darwin a raison, les plus forts survivent et les plus faibles disparaissent. Le danger est que les décisions de survie prises par les plus forts le sont toujours à court terme et que ces bonnes décisions du moment pour quelques-uns, donc à court terme pour quelques-uns, peuvent se révéler catastrophiques à long terme pour tous et c'est un peu ce que nous euh, vivons. Alors tout ça reste très général, mais on voit bien que par rapport à la, aux sciences de la nature, aux sciences de la médecine, qui sont formidables, euh, qui, quand, quand on nous annonce qu'on euh, arrive à faire des voitures moins polluantes, des voitures plus vertes, mais c'est formidable, quand on nous annonce surtout qu'en euh, 40 ans, un, on, on a, en 60 ans, on a gagné chacun, les hommes et les femmes ont gagné 9 ans de vie, mais qui ne signe pas des deux mains, c'est absolument exceptionnel. Et ça, c'est la croissance par la technologie, qui est réelle, qui est forte, qui est importante. C'est le, le logiciel, je l'ai dit, du politique, c'est le logiciel de tout le monde. Mais ce n'est pas le logiciel des historiens. La croissance à travers l'histoire qui fait de l'histoire sur la longue durée, c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins c'est beaucoup, beaucoup moins optimiste. Euh, la, la croissance pour l'historien, la croissance a presque toujours, je dis le plus souvent ici, mais c'est presque toujours été une croissance prédatoire, une croissance de prédation, une croissance par la guerre. Vous pouvez penser à tous les empires qui se sont faits à toutes les, les euh, euh, presque toujours euh, pour l'empire romain que je connais mieux, c'est euh, cela. Euh, le, tant que, et ça s'arrête avec Trajan, Rome, c'est le thème du centre et de la périphérie, tant que Rome euh, parvient à ramener au centre de l'empire les richesses prises en périphérie. Eh bien, les, le, le, la croissance, et on peut le mesurer aussi par la taille des habitants, les ossements, l'anthropométrie aujourd'hui est très très importante, euh, la qualité, de, donc l'espérance de vie, la taille, des, la, la taille des gens, tout ça augmente. Et puis, et puis une fois que le processus prédatoire s'interrompt, la machine va encore vivre sur une génération et demie, et, et on dit souvent que si vous pouviez arrêter la, la machine à remonter le temps et être le, le, le moment où il, va, il valait mieux de s'arrêter, c'était euh, sous Antonin Alpieu, sauf qu'il y a la peste Antonine, il euh, y, y a quand même un romain sur trois, qui va y rester pense-t-on euh, parce qu'après après ça, se, ça se dégrade euh, et, et quand même par rapport à ce qui est je, 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 je suis un fervent euh, <laughs> je, 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 je suis un, euh, tout à fait convaincu des bienfaits de la technologie et absolument pas euh, reptilien de ce côté là mais je constate quand même que comme historien là où on, la technologie nous amène Cumuler 9 ans sur 60 ans d'espérance de vie, c'est absolument extraordinaire, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité, euh, formidable. Euh, mais, mais, mais autrement, ce sont... Des, ce sont des, des bénéfices euh, engrangés qui apparaissent de détail face à la catastrophe qui est la guerre. Euh, et où on perd en. Alors tout le monde ne perd pas, vous voyez, euh, bien sûr, je dis des choses qui sont très, très communes, mais en cas de guerre, euh, la bonne nouvelle c'est pour ceux qui survivent, mais encore faut-il survivre, c'est les Trente glorieuses pour nous. Euh, en général, la technologie est boostée par, euh, par la guerre, très bien, mais en attendant, il ne faut quand même pas perdre de vue que ça annule des décennies euh, d'engrangement de, de, de paix. La guerre, ça peut être la guerre. Euh, la guerre avec son voisin, avec, euh, avec son voisin, je veux dire, entre États, mais, mais pire encore, c'est la guerre civile. Euh, que, pour une, que ce soit pour une question de religion, pour une question de, de classe sociale, euh, c'est évidemment, l'histoire nous l'enseigne, le pire du pire. Juste rappeler que euh, les dépenses militaires dans le monde c'est aussi 1500 milliards par an de, de dépenses militaires et que les dépenses de l'Italie militaire l'armée italienne 31 milliards de dépenses sont trois fois supérieures aux dépenses de recherche en sciences humaines dans le monde c'est pas l'Italie contre l'Italie c'est l'Italie contre le monde euh, euh, et alors vous avez, je, je, il y a évidemment une partie euh, d'irénisme... Mais il y a surtout une conviction profonde que c'est là que les sciences humaines doivent faire. On est engagé dans un monde qui prône la, la, la simplicité, la binarité, une réduction chaque fois vers des choses qui sont de la technologie simple. Et ça, c'est une machine à faire de l'intolérance, face à la tolérance, de manière de voir le zèbre. Alors, bien sûr, la recherche qui est, un, qui est placée. Sur le thème qui est très fédérateur aujourd'hui, et où on, euh, là je crois qu'on va quand même y venir, l'Europe y compris, sur un, un, un grand défi sociétal euh, s'agissant des, des, des identités, des identités plurielles, inclusives, forcément, avec les, les, les questions de résilience, si on veut avoir la terminologie, euh, pour avoir un, un contrat. Mais c'est vraiment là, c'est dans la capacité à penser la complexité que les sciences humaines sont, et l'histoire en particulier, sont les plus importantes. Qu'est-ce que fait l'historien Mais c'est retrouver sur la longue durée les rationalités, il n'y en a pas qu'une. Quand, quand nous ne comprenons pas quelque chose, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il faut se demander, mais pourquoi ils ont fait ça quelles étaient les contraintes sociales, physiques, etc. des agents historiques euh, Très en vogue, la théorie des jeux. John Nash, qui vient de décéder dans un accident de voiture avec sa femme en revenant d'Oslo, il, il avait obtenu le prix Abel, en plus du prix Nobel, euh, c'était il, il y a deux mois. Euh, C'est l'auteur, si vous voulez, du concept que tout le monde connaît du win-win. Mais pas, pas, dans cette société euphorique du win-win où tout le monde gagne, euh, l'historien est là pour rappeler que ce n'est pas toujours ça. Et ça peut franchement être du lose-lose. Euh, la guerre, c'est du lose-lose. Euh, le dilemme du prisonnier étant la chose la plus, la plus enseignée. Et je vais, je vais en terminer par là, en, en présentant une, une autre institution. Euh, qui me tient à cœur parce que le secrétaire perpétuel, euh, qui en est le secrétaire général de facto, euh, parce que cette institution a ses, son secrétariat, son quartier général ici dans les bâtiments de l'Académie depuis sa création en 1919, c'est l'Union Académique Internationale, qui en fait, dont le périmètre est sciences humaines, sciences sociales, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son, son, euh, l'intitulé. On travaille là sur. On, on patronne, on tâche de financer un peu euh, des projets sur la très longue durée. Aujourd'hui, les financements au-delà de 5 ans, ça n'existe quasiment plus. On s'aperçoit parfois qu'il en faut un peu. Euh, et nous, on patronne des entreprises qui existent parfois depuis presque un siècle. 19, euh, depuis presque un siècle. Et si vous pensez aux attentats de, de Charlie Hebdo à Paris, eh bien... À l'Union Académique Internationale, on c'est un endroit, et j'en connais pas d'autres, où, depuis maintenant 50 ans, à la fois, on soutient les Voltaire, les œuvres complètes de Voltaire, et à la fois, l'étude du Coran, comme étant vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire. Think long term, think global. C'est la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention.